Université de Touliage, installation du nouveau président. L'investiture du nouveau président de l'Université de Touliard, le maître de conférence, Ndiamanate Narazafiarson, s'est tenue le 10 mai dernier. Son programme de travail s'articule autour de 5 piliers dont l'administration efficace et la gestion transparente. S'y ajoute la mise en place d'un service du patrimoine pour résoudre les gros problèmes fonciers qui affectent le campus de Mandai, où des squatteurs occupent une bonne partie du terrain. Il en est de même du développement du partenariat, de l'appui à la recherche et à la pédagogie, ainsi que du développement de l'environnement socio-culturel et de la vie étudiante. Le défi du président est de zéro grève pendant son mandat. On apprend par ailleurs que les étudiants occupant de logements universitaires seront bientôt déplacés dans le bâtiment R+3 construit sous la transition. À noter que la cérémonie a été rehaussée de la présence du ministre de tutelle. Félicité Réjou-Fiennène tient à cette université où elle a fait ses études avec le soutien de nombreux enseignants-chercheurs et consacré une grande partie de sa carrière en tant qu'enseignante et encadreur à son tour. Le ministre a rappelé que son département fournit tous les efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur à travers une amélioration de l'équipement pédagogique.